Bonjour les BBC, ici Martine Schwirdevan, présidente de la gauche unitaire européenne. L'échéance des plénières arrive à grands pas et le groupe GUE, petit par sa taille et non pas par ses ambitions, est impatient de participer à cette négociation qui s'annonce déjà très enrichissante. Rappelons que les eurodéputés sont les ambassadeurs de la démocratie et que leurs positions sont plus que légitimes. En tant que présidente de groupe politique, j'attends de ces plénières une véritable planification sanitaire européenne. Et le défi est de taille. Il va falloir lutter contre les politiques d'austérité, de privatisation et contre la suprématie de l'industrie pharmaceutique, qui ont détruit nos systèmes de santé depuis déjà de nombreuses années. La solidarité est le remède dans ce contexte post-pandémie. Et nous veillerons à ce que la santé ne devienne pas un motif d'ingérence dans les politiques nationales. Laissons l'humain, première victime de cette crise, au cœur de notre action collective. Au cours de ces négociations, la quête d'un résultat fructueux est primordiale, mais les moyens envisagés ne doivent pas faire régresser les droits déjà acquis. Le groupe GUE s'imposera durant ces plénières pour défendre un intérêt, la vie avant les profits, et ce, quoi qu'il en coûte.